Radio Respiration FM. Et le collège aussi rappelle que la caisse populaire Coquelin est son sponsor officiel. L'école du dimanche. Quant à la connaissance de tous les moniteurs, de toutes les monitrices et de tous les étudiants, de toutes les étudiantes et de chaque fidèle de l'église qui organise une journée d'évangélisation ce jeudi 19 juin à 7h30 à 2h de l'après-midi. Cette journée d'évangélisation commencera à 7h30 par une séance de prière à l'auditorium de l'église, suivie de la formation des équipes et la sortie à 9h, c'est signé de la directrice de l'école du dimanche. Le centre d'assistance sociale de la première église baptiste de Port-au-Prince et le groupe Bon Samaritain saluent l'église entière et remercie tous les fidèles et les invite à continuer à participer à cette grande œuvre d'assistance pour aider les nécessités non seulement de l'Église, mais aussi des centres et d'asile. Salutations fraternelles en Jésus-Christ, les dirigeants de ces deux associations, de ces deux groupes. Si vous avez ce matin un problème de santé, nous profitons de cette occasion pour saluer les professionnels de l'Église et les professionnels de la santé en particulier. Oui, si vous avez une urgence ce matin dans ce culte, c'est le docteur Marc Aderville qui assure l'urgence. Il est au 47 56 66 60 19. Laissez-moi vous donner cette annonce de décès. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort du frère Lucien Édouard, survenu à Port-au-Prince le vendredi 10 juin 2014 à l'âge de 77 ans. Les funérailles du frère Lucien Édouard ont lieu dans la première église baptiste de Port-au-Prince le jeudi 19 juin 2014 à 8h du matin, le cadavre sera exposé à 7h. Le défunt était membre de l'église et fréquentait la congrégation de Faubourg-Saint-Jean. Ce sont là mes frères et mes soeurs qui prescrivent les annonces provisoires de l'église. Et juste pour compléter, nous demandons aux frères Maxime Antoine de bien vouloir rencontrer sur la cour de l'église M. Rony Gilles. Il est en devant le secrétariat de l'église et aussi la congrégation de Faubourg Salomon, la jeunesse, qui célèbre son 56e anniversaire à travers une conférence qui commence demain avec et votre serviteur sur la jeunesse chrétienne face à l'écuménisme. Et mercredi prochain, M. Patrick Laurent, la jeunesse et la politique. Et vendredi 20, Pasteur Harry Jean-Pierre, la jeunesse chrétienne face au signe des Illuminatis. Et le 56e à Faubourg, à la jeunesse de Faubourg, Salomon. Comme je vous dis, ce sont là les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce, il ne peut pas attendre, c'est que Jésus reviendra.
Et comme tel, nous devons travailler pour dire ensemble, Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. Avant d'écouter la prédication du jour qui sera présentée par le pasteur Karel Célestin, je vous invite, frères et sœurs dans la foi, à chanter les versets du cantique. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageur désolé, j'irai à l'aventure, chaque arbre du chemin était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce. Et je vis sur le seuil, debout dans la lumière, Jésus, quel doux accueil il fit à ma misère. Je t'attendais, pourquoi dit-il, pauvre, à ma place. Viens-tu si tard, c'est moi qui suis la grâce. Cantique inscrit au numéro 306, c'est dans lequel les chants d'espérance et sermée française, sur les ailes de la France 504, par le cantique populaire de 586. Et si vous avez le recueil de Brise des Réveils, c'est le numéro 60. Je vous invite à vous lever pour chanter allègrement. Les quatre versets de ce cantique. Ah!
Je rappelle pour ceux et celles qui n'étaient pas là au moment où la lecture d'eau sera tirée, dont l'initiation a été faite, que celle-ci a été faite dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 12. Et juste avant de commencer, j'aimerais demander à tous les papas qui sont ici, je vais vous demander. Merci. Merci. Le troisième dimanche est réservé à la famille. Dimanche prochain sera la fête des pères. Gabriel, c'est le dimanche. Aujourd'hui, c'est la fête des pères en Amérique du Nord. Portez un message pour la fête des pères ou portez un message qui traite des papas. Pour moi, n'est jamais chose facile. Et la raison est simple, c'est parce que les pères sont tellement décriés chez nous. Lorsque j'observe les messages qui parlent, qui sont portés sur la fête des pères, les versets qu'on trouve pour méditer, à mon avis,